Donc, oui, tiens. Ong jumre kam to ka jamra ka niti phi samaka me te nu sa ta ai lai ni neu mne aing hay bokolak angkapheap kong pia sak sai ne nea jumni kot men turya kot som chak cheing te bopeing phirkech ban thmey phseing tiet ta lok srey bto ka pdal takhay kam ban te Yes, thank you, Mr. President. Very few questions for you, Madam Civil Party. I only would like to ask you if you've ever heard of either Sosman or his son Mat Lee. No problem. Do you remember any charm either from your villages or from neighboring villages the Khmer Rouge or the National Front between 1970 and 1975? In other words, were there Min bong on jam, twerka, jalana, no knung pat the bot, no die, mean, sray, sray, pro, mean die. No can't bow pee, no. We mean clap, we mean pit, take, not mean the mooy, eh? Thank you very much, Madam Civil Party. Thank you, Mr. President. Som okun lok srey dam dang rat pa bin ni, som okun lok pathean, khnyom osom nu hai. A chi pto tnih, ang beh pdal vetika chon te krom thak mitvi ka pe kdai lok Khieu Somphon. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous, bonjour Madame Nosatas. Je m'appelle Anta Gissé, je suis co-avocat international de Monsieur Khieu Somphon et j'ai également quelques questions à vous poser. Tout d'abord, je voudrais m'attacher à la période de 1975 et de la rébellion que vous avez évoquée avec mon confrère. Vous avez indiqué vous souvenir qu'il y avait eu l'utilisation de tambours dans votre village pour rameuter la population. Est-ce que vous connaissez un dénommé Sos Ponyamin? Monsieur Sos Ponyamin a témoigné devant cette chambre le 8 et 9 septembre dernier. Il a évoqué l'utilisation de tambours au sein de son village, qui est le village numéro 5, nous a-t-il dit. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur le numéro du village de Zweikleng auquel vous apparteniez? Zweikleng,
จ้านังไงខ្ញុំនៅឃុំភូមិស្វាយឃ្លាំងនឹងហើយឃុំស្វាយឃ្លាំងនឹងហើយនៅចាំដែលពេលគេទូងស្គរនឹងខ្ញុំលើគេទូងស្គរហើយនឹងឃើញមនុស្សរត់រកគ្នាដូចថាអ្នកបរោះបរោះនៅកាន់ក្កាន់ក្បិតទៅនាំគ្នាទៅដូចថាទៅសមរភូមិថាថាដាក់ជាសមរភូមិទៅចុះតឹងគេតឹងឪពុកខ្ញុំនឹងហើយ Madame Nosatas, je vais essayer de faire des questions précises et je vais vous demander d'essayer de répondre précisément à mes questions parce que le temps nous est compté et c'est important que vous puissiez faire les réponses les plus précises que possible. Je vous remercie de ces précisions. Ma question précise était de savoir si le village numéro 5 tel que décrit par Sos Ponyamin, vous rappelez quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez si Sos Ponyamin faisait partie des meneurs de cette rébellion? Thà quật chỉ mê bác bao ấy ấy nhom càng pel nữa bác bao nó nhom đằng thà quật mê đằng thà chỉ ấy nhom đằng ấy vì khơi ta cần kẹt cần cái bật tiếng ở mà phun nương máu này vì ở miền bị thà ở miền mê ở miền cao thì miền ở miền nẹt đực nòm này nẹt đã chơi chập nực nông mà phun nương máu này. Est-ce que le nom de Leb Van Mat vous dit quelque chose? Van Mat. Looks like Squall de. Squall pat na quat slap pat hai Leb Van Mat nung. Est-ce que vous vous souvenez s'il faisait partie des meneurs de cette rébellion? Looks like Cham de thakot nung ko chi me dak nom mne dai nung nung ka ba bao ni. Ke đây trường kê nâng sổ mình nâng hai bánh là mê đựng nòm mình đựng nòm khi nhóm bắt đứng tê ca khi nâng khi nhóm nâng tối nạ khi nhóm mình thông tê bộ nâng sẽ tê kê bóng khi nhóm ơi khi nhóm ả dụ mập hay ả dụ bầm bầy đọp bầm bầy đọp tê khi nhóm chanh bì phùm xoay khlèng nâng 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 phùm xoay khlèng nâng ả dụ bầm bầy đọp tê chanh bì phùm nâng ả dụ bầm bầy đọp đây ta lần chân khi nhóm ọt miên ca trong trăm ọt miên chân nằm ọt đừng rương sạch rương chá ơn tê nếu bị bắt bao nó nhầm đằng thần tình tuổi tình tuổi đằng thắc luôn anh tranh chạ tranh bị xoay khèn màu tập anh nâng hay cái thợ ba thợ chuột bự tẹt vây khla nhầm chăm tăng bị nâng màu nhầm ở miền ấy ní mà nè nhầm miền tập anh nâng. Comme vous avez indiqué que votre père a participé à cette révolte, je voudrais vous lire un extrait du récit de Leb Van Mat fait à Isa Osman dans un document E3-2653, ERN en anglais 00219148, ERN en Khmer 00904326, et ça se poursuit sur la page suivante, étant précisé qu'il n'y a pas de version en français et que je vais donc lire en anglais le passage qui m'intéresse. Il s'agit du deuxième paragraphe à l'attention des interprètes. Voilà ce que dit Leb Van Mat. For these reasons,
The villagers could not longer tolerate the situation and rebelled. I insulted this in all the villages of Kochmar district, not just at Zweikling. We met in secret, and organizing each meeting was a real core. We fixed the date for the uprising to be on the Raya holiday. But even before that day arrived, the people of Kopal could no longer tolerate the Khmer Rouge ever increasing pressure on Islam. So Kopal rebelled first. Three Kopal villagers, Min, Rani, and Haji Mit, were my agents. All three died in the uprising. While the Khmer Rouge had their hands full suppressing Kopal, we rebelled in support of them. Fin de citation. Ma première question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez si votre père a participé à des réunions secrètes pendant cette période, avant la rébellion à Zweikling? Nhưng một bàn trăm ấy nhưng một đằng tay rừng đây là cái bị chùm cái ấy nhưng một đằng này đằng tập bên ngay ba bao áp bục nhưng cần cái bật cần từ rùm sa mò phun cho mùi kê nữa ngay Vous avez interrogé le 10 juin 2000, en compagnie apparemment de votre époux, par M. Isa Osman. Est-ce que vous vous souvenez de cet entretien? Je voudrais vous lire un passage pour vous rafraîchir la mémoire, mais avant cela, est-ce que j'ai bien compris votre déposition quand vous indiquez que les arrestations qui se sont déroulées en 1975 étaient la résultante de la révolte qui venait de se dérouler à Zweikling? จับខ្លួននៅស្វាយឃ្លាំងមុនគេបះបោនឹងចាប់តាំងពីនឹងពីចិត្តសប់ប្រាំនឹងមកណាដល់នឹងថ្ងៃបះបោនឹងគេចាប់មុននឹងមកហើយគេចាប់ប្រដាប្រដាប្រដាដល់តែមានរឿងនឹងហើយបានមានបះបោកើតឡើង នៅ ក្នុង 75 នឹង Mais le déplacement dont vous avez fait l'objet, est-ce que nous sommes d'accord qu'il n'a été effectué qu'après la révolte? Interrogé par M. Isa Osman, vous avez donné vos explications en ce qui concernait les enquêtes qui avaient été effectuées pour savoir qui appartenait à la CIA ou pas. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez dit sur comment se déroulaient ces enquêtes? អពុកខ្ញុំអីនឹងហើយខ្សែសេអានឹងដូចជួតកម្មជួអ្នកគ្រូលោកគ្រូអ្នកធ្វើការដូចថាជួក្នុងនេះនឹងគេចាប់នឹងហើយអ្នកខ្សែសេអានោះជួនណាអ្នកស្លូតត្រង់អ្នកមិនធ្វើការក៏គេចោទថាសេអីអាដែរ
sạ muối sạ pi sạ bay sạ tram sai ở mỹ tăng Dans ce document E3-9307, ERN en français 01128393, ERN en Khmer 00045895, ERN en anglais 01132808. La question de... Monsieur Ousmane est la suivante. Comment faisait-il pour savoir qui appartenait à la CIA et qui n'appartenait pas ? Votre réponse est la suivante. Ils voyaient qu'on était honnête, ils enquêtaient, puis savaient. C'était ce qu'ils disaient. C'était eux qui décidaient. Fin de citation. Première question. Est-ce que vous savez qui exactement enquêtait ? De quelle force il s'agissait ? Est-ce que c'était au niveau de la commune, du village, du district ? Est-ce que vous savez qui faisait ces enquêtes ? Khơn kì nẹ na kì mà chập vô tới hơi nó cứ thả nẹ nó ngay xe ý à nó kì kì ai bò rùm miên kì thở ai ai từ khum sọc Puisque ces enquêtes étaient secrètes et qu'elles n'étaient pas divulguées aux villageois, comment est-ce que vous avez su que parfois on pouvait dire que telle personne était honnête, puisque c'est ce que vous avez indiqué à M. Ousmane ? Comment est-ce que vous avez appris la tenue de ces enquêtes-là ? តោះតាគេមកប្រជុំអ្នកដែលគេយកទៅនឹងហើយនៅប្រាប់បន្តគ្នានៅក្នុងគុកនោះដែលគេហៅគេចាប់ទៅនឹងប្រាប់តាមគ្នាទៅគេសួរចម្លើយគេវាយគេតាក់គេដំទៅត្រមមានបានចេះតថាទៅអ្នកនេះខ្សែអាមេរិកកាំងអ្នកនេះខ្សែអីខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេប៉ុន្តាររឿងនឹងសិតតែចេញពីពួកគេយកទៅនឹងហើយ អ្នកឆ្លើយនឹងសិតតែអ្នកស្លូតត្រង់ទេប៉ុន្តាដឹងធ្វើម៉េចទៅត្រមនឹងការឈឺចាប់ត្រមមិនបានឆ្លើយទៅខ្លាចវាបានដូចថាវាផុតអាដែនការឈឺចាប់នឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាជាប់ទាំងខ្សែទាំងខ្សែទាំងខ្សែទៅហ្មងហើយរួចអានឹងហើយគេស្រាវជ្រាវយកទៅនោះរឿងនឹងហើយបានវាមិនចប់មិនហើយ Vous avez indiqué que ces enquêtes étaient secrètes. Là, aujourd'hui, vous me parlez d'interrogatoires. Est-ce que vous avez personnellement assisté à des interrogatoires ou est-ce que c'est des choses dont vous avez entendu parler ? ខ្ញុំនឹងឆ្លើយនឹងថាខ្ញុំលឺពីអ្នកគេដូចថាច្បាយស្រុកមេឃុំគេមកប្រកាសប្រាប់អ្នកនេះសេអ៊ីអាអ្នកនេះសេអ៊ីអាអ្នកនេះសាក់មួយអ្នកនេះសាក់ពីរសាក់បីជាប់គេហៅឈ្មោះប្រាប់ច្បាស់ហ្មងហើយអ្នកនៅក្នុងគុកនោះគេប្រាប់មកគេប្រាប់តាមរយៈច្បាយស្រុកមេសិនខាងសិនសុកគេអ្នកសួរចម្លើយនោះគេដឹង ហួចសួរអ្នកចម្លើយនឹងធ្វើម៉េចបើវាមិនឆ្លើយឈឺហើយណោះវាមិនមិនសួរដល់ស្រួលណាវាវាយស្តអីស្អីណោះហួចអត់បាយអត់មានបាយស៊ីអត់មានអីស៊ីគ្រប់គ្រាន់ណោះធ្វើម៉េចអត់មានកម្លាំងមកពីណាណូតតាណាណាចាំស្ដាប់សំណួរឲ្យបានហើយឆ្លើយតបនៅភាពចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងសំណួរបានហើយជាវាងការ
ឆ្លើយវែងអនឡាញចាក់ផុតពីភាពចាំបាច់ក្នុងការឆ្លើយតបមួយចំនួនផលវិបាកគឺនឹងមានការសួរបន្ថែមផ្សេងៗទៀតដែលលើបន្ទុករបស់លោកស្រីដែលត្រូវឆ្លើយតបទី2គឺវាហួសពីព្រំដែនចាំបាច់ដែលអង្គជំនះនឹងយកមកពិចារណាព្រោះវាហួសពីក្របខ័ណ្ឌនៃឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលភាគីគេសួរណាឆ្លើយខ្លីឲ្យចំបញ្ហាទៅបានហើយណាមិនមែនឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេគឺ Je comprends de votre longue réponse, madame, que vous n'avez jamais assisté personnellement à des interrogatoires et que c'est seulement des choses que vous avez entendu dire. Est-ce que c'est bien ça? J'en viens maintenant à un autre point que vous avez abordé rapidement hier. C'était entre 15h42 et 37 secondes et 15h43. Vous avez évoqué des personnes qui ont été arrêtées et qui ensuite sont revenues dans le village pendant 2 ou 3 mois et sont à nouveau reparties. Je n'ai pas compris de quelle période vous parliez? Est-ce que c'était en 75 que ces personnes avaient été arrêtées et ensuite sont revenues pendant 2 ou 3 mois dans votre village? Alors, je précise que je ne parle pas des entretiens, je parle de ce que vous avez dit hier à l'audience. Donc, peut-être pour que ce soit plus clair, je vais relire le passage qui m'intéresse. Vous dites, et vous parlez de ce que j'ai cru comprendre et ce que je vous demande de confirmer de la période de 75, et les tchams qui ont été arrêtés ne sont jamais revenus. Seuls quelques-uns, ou peut-être un ou deux, peut-être, sont revenus. Et ils sont revenus dans le village et ils n'ont pas pu y rester que 2 ou 3 mois. Ensuite, ils ont dû repartir. Fin de citation. Est-ce que cette citation de ce que vous avez dit hier vous rafraîchit la mémoire? Et est-ce que vous pouvez indiquer de quelle personne vous parliez et si c'est bien de la période de 75 dont vous parliez? អ្នកដែលគេចាប់ទៅហើយមានម្នាក់ពីរអ្នកមកវិញហ្នឹងហើយលោកស្រីនិយាយហ្នឹងក្នុងសម្ដៅដល់ឆ្នាំ73ឬក៏យ៉ាងណាសម្ដៅនៅក្នុង73ហ្នឹងគេឲ្យមកវិញនឹងដូចថាអ្នកទួសស្រាលហើយនឹងគេឲ្យចេញមកវិញពីអ្នកនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហ្នឹងហួចឈ្មោះហាក់ហើយនឹងតាំហ្នឹងដល់បានមួយខែឈឺស្លាប់ទៅវិញតាំងពីអ្នកចេញពីក្នុងគុកមកនោះ Hier, vous n'avez pas dit qu'ils étaient morts de maladie, vous avez dit qu'ils étaient repartis ailleurs. Quelle est la bonne version exactement? អត់មានទេខ្ញុំមានតែដឹងតែប៉ុណ្្នឹងរឿងហ្នឹងវាមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំឆ្លើយហ្នឹងពីនេះហ្នឹងខ្ញុំតាំងពីឲ្យមកខ្ញុំនៅចងចាំដែលអ្នកនៅក្នុងចិត្ត 15 ហ្នឹងណាខ្ញុំដឹងថាតាពីអ្នកហ្នឹងគេឲ្យចាញ់មកហ្នឹងរួចបានបួនប្រាំថ្ងៃនៅក្នុងគុកគេចាប់ដែលគេចាប់ទាំងខ្សែទាំងខ្សែទៅយកទៅក្នុងគុកគេចាប់ដាក់គុកហ្នឹងរួចដល់មកវិញហ្នឹងឃើញតាពីអ្នកហ្នឹងហើយនៅក្នុងភូមិខ្
Hier, vous avez dit, ensuite, ils ont dû repartir. De qui parliez-vous, si vous ne parliez pas de ces deux personnes alors? Bien, je passe à un autre point. J'en viens maintenant à 78 et l'arrestation dont vous avez fait l'objet. Vous avez indiqué que vous avez été arrêté. Est-ce que nous sommes bien d'accord que lorsque vous avez été arrêté pour être conduit à Tri, vous étiez à Ksapratio? Et à l'attention des interprètes pour mon mauvais accent, c'est le numéro 6 sur la liste que j'ai fait circuler. ខ្ញុំកាលនឹងគេប្រមូលពួកខ្ញុំទៅខ្ញុំអ្នកនៅសៃប្រឆៃលើមែនប៉ុន្តែខ្ញុំគេមកប្រមូលពួកខ្ញុំទាំងម៉ែទាំងឪអស់ទាំងម៉ែទាំងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ទាំងជីដូនខ្ញុំទៅជួបជុំគ្នានៅសៃប្រឆៃកដាលទៅសៃប្រឆៃកដាលនឹងគេបែងចែកម្ដាយហើយនឹងកូននឹងឲ្យទៅជាមួយទៅជិះកណូតនៅខូចឆ្មាចោះកណូតនៅខូចឆ្មាចំណែកនារីគេឲ្យដើរទៅភូមិត្រៀ Donc, vous étiez bien à cet endroit-là. Ma question est de savoir, est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez indiqué comme nombre de jeunes filles qui ont été arrêtées en même temps que vous lorsque vous avez été entendu par M. Isaosman? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Donc, c'est le document toujours E3-9307, ERN en français 0112-8401. ERN en anglais 0113-2815 et ERN en Khmer 0004-5906. Voilà la question qui vous est posée par M. Haussmann. Par quels moyens de locomotion vous ont-ils emmené au village de Tlir? Votre réponse est la suivante. À pied. Nous n'étions que des femmes, au nombre de 40, je pense. Nous n'étions pas mariés et nous étions toutes célibataires. Ils nous ont ordonné d'aller au village de Tri dès 7 ou 8 heures et nous sommes arrivés vers 17 ou 18 heures. La nuit tombait et il pleuvinait. Nous étions encore endormis et n'avions rien dans le ventre. Ils sont venus nous demander de nous lever et nous ont attachés. Ils étaient trois, dont le représentant du comité de district lui-même, un certain Ho. La question suivante vous est posée par M. Haussmann. Permettez-moi de vous interrompre. Les 40 personnes venaient-elles toutes de Ksapratche ou d'ailleurs aussi? Votre réponse est la suivante. Les 40 personnes appartenaient toutes à mon groupe et nous avons toutes survécu. Fin de citation. Non, je continue. Excusez-moi, je poursuis à la question suivante de M. Haussmann. Je voulais savoir s'ils ont raflé des gens d'autres endroits. Votre réponse est la suivante. Non, ils n'ont raflé personne d'ailleurs.
C'était tous des gens de mon village de Tsakpaktché. Fin de citation. Donc, ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous dites qu'il y aurait eu des centaines de personnes concernées par cette arrestation. Devant M. Issa Osman, en 2000, vous avez indiqué qu'il y avait 40 personnes. Hier, j'ai cru comprendre de vos réponses à monsieur le coprocureur international que vous évoquiez, environ 300 personnes. Quelle est la bonne version et quel est le bon chiffre? អធិប្បាយឲ្យលោកស្រីប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំចម្លើយនឹងណាវាមាន២ណាកាលគេសួរចម្លើយកាលគេនៅសំភារនឹងខ្ញុំមានតែក្រុមពួកខ្ញុំនឹងឲ្យ40នាក់រួចវាមានអដាញ់អ្នកមកពីក្រៅភូមិនឹងស្រុកពី២អីពីខ្ពមពីប៉ះពីភូមិសោយមកសិតតនារីមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះនឹងវាណែនក្តំប្រហែលជា200 នាក់មែននៅក្នុងផ្ទះនោះបើមកភូមិសាច់ប្រឆេះនឹងវាមានតែពួកខ្ញុំទេ40នាក់នឹងប៉ុន្តែវាមានគេមកនៅជាមួយគ្នាដែរបាទខ្ញុំឆ្លើយថាឥឡូវនឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំឆ្លើយថា200នាក់ផ្ទះ3ខ្នងឡើងម៉ែនក្តុនរហូតដល់កន្លែងអង្គុយផងមិនបានផង Alors pourquoi lorsque M. Osman vous a posé la question que vous avez citée, à savoir est-ce qu'il y avait des gens qui ont été raflés dans d'autres endroits, pourquoi est-ce que vous avez répondu non, ils n'ont raflé personne d'ailleurs? Pourquoi est-ce que vous avez répondu ça à ce moment-là? ກະມາກະມາຕອນຖ້ອຍກາຫນຶ່ງເວມາສູ່ຂ້ອຍຫນຶ່ງມາສົມພຽສູ່ຂ້ອຍຫນຶ່ງວິສູ່ສູ່ຕາມພູມນະຫ້ວຍດອລຂ້ອຍຫນຶກເຄີຍມາກ້ອຍຕຽດຫນຶ່ງຂ້ອຍກ້ອຍມາຕຽດຫນຶ່ງຈາຕາຫນຶກເຄີຍໂຕຈານນະມັນເຕິດນະວິມີປີເກມາໄດ້ມັນແມ່ນຖ້າຫນຶ່ງໃນក្នុងພູມຫນຶ່ງມາພູມຫນຶ່ງແນ່ອ້າຍເດນະວິໂຈລວມຄືມາຕຽຫນຶ່ງ À quel moment est-ce que vous avez vu arriver ces femmes venant d'autres endroits que votre village? នៅពេលដែលមកជាមួយមកថ្នាក់ដែលជាមួយគ្នានឹងហើយឃើញនៅជួបជុំគ្នានៅទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាទាំងអស់មកផ្ទះឡើងទៅលើផ្ទះនោះមកពេលដែលម៉ោង6ជិតទៅម៉ោង7ហើយស្មើនឹងភ្លៀងនៅស្រឹបស្រឹបទៀត Donc si je comprends bien, les 200 à 300 femmes que vous étiez étaient toutes dans la même maison, c'est bien ça? Quand vous êtes arrivé, est-ce qu'il y avait déjà des femmes dans la maison? Donc, si je comprends bien, les femmes, votre groupe de femmes venant de votre village et celles venant d'autres villages se sont retrouvées avant de rentrer dans la maison? Et si oui, à quel endroit exactement? Quand
lại bỏ mồm bỏ đống nơi sạch bị chạy lơ anh nơi sạch chạy cả đà nơi sạch chạy cả đà nâng đòn bụi nhóm màu đòn phùng trìa nâng vì khơi bụi phùng bơ mùi bơ bì ấy màu chuộp chung kia nơi cả lại phùng trìa nâng mong ai Je n'ai pas bien compris. Le point de rassemblement était à quel endroit ? Avec les femmes des autres villages ? Sát ta mau bị bờ muối bờ bì bờ bay nương ngay sát ta nhẹ phùng sỏi nương ngay bì bay phùng lợp mưa nó bờ xoay mưa nó bờ hay nương bờ muối bờ bì hay nương và ấy bò bò hội xoay kẹng nương hay nương khối chma nương sát ta nề ri mỏ ngay Est-ce que vous pouvez décrire la maison dans laquelle vous vous êtes toutes retrouvées ? La taille, est-ce que c'était une maison à étage ? Dans quel endroit, à quel endroit vous étiez rassemblées ? Donnez une description un petit peu plus précise. Vì bây khá nông, hồi tự tưng bà hai là bầm bầm mai, tự tưng nó thông nóng nè. Tự tưng cháy nó bầm bầm mai, bà đòi nóng phải chìa pin đó mai. Tẹt cả bương. Est-ce que c'était une maison qui était construite au sol ou est-ce qu'elle était sur pilotis? កុំអត់តនកុំអត់តវាមានតសនឹងហើយផ្ទះដូចធម្មតានៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងផ្ទះគេធ្វើថ្មគេធ្វើថ្មអត់មានតសគេដាក់ចាក់ស្មងឥឡូវផ្ទះនឹងមានតសអត់មានជន់ជន់ក្រោមទេមានតែផ្ទះគេវាយអានៀបកកផ្ទះនឹងបីខ្នង Vous avez indiqué que vous avez été rassemblés. Est-ce que toutes les femmes étaient rassemblées au même endroit dans la maison ? អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រមាណ100អ្នកហ្នឹងគេមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយហ្នឹងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចគេដាក់តែមួយហ្នឹងហើយផ្ទះតែមួយហ្នឹងហើយEst-ce qu'il y avait plusieurs pièces dans cette maison ou est-ce que il n'y avait qu'une seule grande pièce ?បន្ទប់ឬក៏មានអត់មានបន្ទប់អីទេគឺផ្ទះតលាយធំតែម្ដងកាលនឹងដូចអត់មានផ្ទុំទេវានៅចំហទាំងអស់គេមិនទាន់ធ្វើគ្រប់គ្រាន់គេដាក់ផ្ទះនឹងវាសនុកនៅចិត្តអន្តីគេអេស្គីយ៉ាវីដេមូរចាប់ផ្ទះនឹងមានជាជាងផ្ទះនឹងនៅមានជាងកដាជុំវិញវាមានអត់ទាន់មានផ្ទប់ត្រឹមត្រូវទេDonc,
ce que vous êtes en train de dire à la Chambre, c'est que dans cette maison qui faisait à peu près 12 mètres sur 7 mètres, vous étiez 2 à 300 femmes dans une seule pièce, c'est bien ça ? Đại cái đặc mà nữ nó cứ miên đã hốt đã đào pi rồi bay rồi nẹ chân chầm lái nó cứ chân men thế. Cha anh chân men ơi. Et vous avez indiqué que il y avait monsieur le chef de district corps qui était présent avec un deux autres personnes, est-ce que c'était les seules personnes en charge de vous surveiller, ce groupe de 300 femmes? Nhóm xâm ràn lụa mà plên cái màu cái làng màu cái xâm bụa cái nhóm chong cái thả mùi mùi dương cọc lăng bù xâm chong khách mùi dương rôn chân vì bà thơ ca nà đó cái chong ruối cái xua trở lại bụa cái nhóm xua sẽ tận nhạc nơi bị cao sọc កៅភូមិខ្ញុំអីចឹងណាអ្នកមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយនឹងសិតតែចាមសិតតបងប្អូនចាមយើងនារីនឹងទាំងអស់អ្នកណាត្រង់នឹងឆ្លើយថាចាមនឹងគឺថាទៅចាមចោះចាមចោះអ្នកដែលជូនទៅយោធាម្នាក់មានកម្រិតងុកម្ដាំអាកាស្វ័យបត់ម្ដាំហួយសួរមកដល់ពួកខ្ញុំទៀតដល់វាអស់ពួកនឹងទៅមកដល់ Donc, si je comprends bien, c'est deux personnes qui accompagnaient Or qui ont attaché les 300 jeunes filles de votre groupe. Et c'est Or qui a procédé à l'interrogatoire des 300 jeunes filles également. សួរចម្លើយពួកខ្ញុំនឹងសួរដល់សួរអស់ទៅទៅប្រហែលពួកខ្ញុំនៅសល់មកក្រុមពួកខ្ញុំនឹងសួរខ្ញុំមុនគេសួរខ្ញុំថាកូនចាមកូនខ្មែរខ្ញុំឆ្លើយបដិញ្ញាចិត្តថាឆ្លើយថាកូនខ្មែរហើយខ្ញុំមិនឆ្លើយថាកូនចាមទេខ្ញុំឆ្លើយថាកូនខ្មែរវាច្បាច់ពិលមើលខ្ញុំទៀតវាសួរថាកូនយួនទេខ្ញុំថាខំឆ្លើយជាមួយវានៅប៉កែកថាខ្ញុំកូនខ្មែរ 3 ដងបានវាដោះលែងពួកខ្ញុំវាលែងវាថាបើកូនខ្មែរនៅមកខាងហួយអ្នកបតបតពីខ្ញុំទៅឲ្យគ្នាឆ្លើយដែរនឹងឆ្លៀតឆ្លើយដូចគ្នានឹងនៅសល់ប្រហែល 30 អ្នកហ្នឹងហើយ 30 40 ខ្ញុំមិនដឹងតែកាលនឹងខ្ញុំភ្លេចភ្លាំងអស់ខ្ញុំគ្មានចាំតល់ឥឡូវទេ Il y avait 30 ou 40 qui ont dit qu'elles étaient khmer et le reste ont dit qu'elles étaient cham. C'est bien ça. ខ្លួន ជា កូន ខ្មែរ ហើយ ចំណាយ ឯ អ្នក ផ្សេង ទៀត នោះ ថា ខ្លួន ជា កូន ចាម អញ្ចឹង មែន ទេ ចា អ ពិត មែន ហើយ Je voudrais savoir quand vous étiez à Ksat Prachet នៅ ពេល ដែល លោក នៅ ពេល ដែល លោក ស្រី នៅ ភូមិ ខ្សាច់ ប្រឆេះ Qui a procédé à votre arrestation? ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា អ្នក ណា ជា អ្នក មក ចាប់ ខ្លួន លោក ស្រី នោះ ខ្ញុំ មាន អ្នក ណា ទេ មាន យោធា វា ដើរ ប្រមូល មក ហើយ ចាម ចាម ឲ្យ ប្រធាន ភូមិ នៅ ភូមិ សៃ ប្រឆេះ នឹង ដើរ ប្រមូល ចាម ចាម ឲ្យ វា អ្នក ប្រដៅ ឲ្យ ជូន ទៅ
Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il savait que vous étiez Cham, n'est-ce pas? Qui a fait le chemin pour vous accompagner de votre village jusqu'à Tri? Est-ce que c'était ces mêmes soldats? Donc ce sont les mêmes soldats qui vous ont arrêté, qui vous ont également amené jusqu'à Tri, c'est bien ça? Est-ce qu'ils sont ensuite restés pour vous surveiller ou est-ce qu'ils vous ont remis aux personnes, aux autres soldats ou responsables qui étaient sur place? Donc ce sont les mêmes soldats qui vous ont arrêté, qui vous ont ensuite conduit à Trier et qui sont ensuite restés vous surveiller. C'est bien ce que je dois comprendre? Alors, je ne comprends pas bien la suite, Madame Moussatas, parce que si ce sont des gens qui sont venus vous arrêter parce que vous étiez Cham, qu'ensuite ce sont eux qui vous ont conduit jusqu'à Tri, ensuite ce sont eux qui ont procédé aux interrogatoires vous posant la question de savoir si vous étiez vietnamienne, je ne comprends pas bien la logique, puisque selon ce que vous avez indiqué, ils devaient savoir depuis le départ que vous étiez Cham. បាទសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនីនៅសតេសមិនដែលបាននិយាយថាគឺក្រុមទាហានដដែលនាំលោកស្រីមកឃុំនោះជាអ្នកសួរចម្លើយលោកស្រីទេគឺលោកស្រីបាននិយាយថាគឺចវាយស្រុកហើយនឹងនារសារបស់គាត់ពីរឬបីអ្នកជាអ្នកសួរទេដូច្នេះគឺជាមនុស្សខុសគ្នាជាអ្នកសួរចម្លើយទេបាទសូមអរគុណលោកប្រធាន No, thank you, Mr. President. That was my point as well. Je reformule ma question. Madame, si depuis le village, vous indiquez que vous avez été arrêté parce que vous étiez Cham, que les soldats qui sont venus vous chercher savaient que vous étiez Cham, que ce sont eux qui vous ont accompagné jusqu'à Tri, comment se fait-il qu'ensuite on vous pose des questions pour savoir si vous n'êtes pas, non pas Cham, mais vietnamienne? Parce que c'est ça que vous avez indiqué. On vous a demandé d'abord si vous étiez sûr que vous n'étiez pas vietnamienne. សួរនៅពេលនឹងចវាយស្រុកឡើងទៅសួរខ្លួនឯងយោធាគាត់នឹងជូនចវាយស្រុកតែហើយនឹងអ្នកកាន់ខ្សែអង្រឹងចောင်းពួកខ្ញុំនេះ
តាពីអ្នកចបាយស្រុកម្នាក់ទៀតវាឡើងតែ3នាក់ចបាយស្រុកអ្នកសួរសំណួរខ្លួនឯងខ្លាចវាផុនច្រឡំវាជាប់វាដៃកូនខ្មែរមកគេឡើងមកសួរនោះរាល់ដងមកគេអត់សួរទេគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងគាត់ថាពួកខ្ញុំរួចរាល់គេស្រាយចំណងទៅវិញនោះគាត់ថាសំណាងហើយបានគាត់មកសួរនោះកុំអីនឹងទៅទាំងអស់នោះគាត់និយាយអញ្ចឹងណាឥឡូវបានវាពូច្រឡំហើយ Une clarification, vous dites que lui seul est monté vous poser des questions et que les soldats ne sont pas montés avec lui. De quels soldats parlez-vous exactement? Ceux qui vous ont accompagné ou un de ses adjoints? ថាតាហ៊ាននឹងណាវិជូនគាត់ទៅឡើងឡើងលើផ្ទះប៉ណ្ណអ្នកសួរចម្លើយនោះគឺថាចវាយស្រុកមិនតាហ៊ាននេះអ្នកកាន់ខ្សែអង្រឹងនឹងក៏នៅស្ងៀមដែរក៏សួរទេយោធានឹងគាត់តែជូននេះណាជូនចវាយស្រុកអោះហោនឹងអ្នកសួរខ្ញុំផ្ទាល់ថាកូនចាមកូនខ្មែរខ្ញុំឆ្លើយថាកូនខ្មែរនោះ គាត់សួរខ្ញុំថាបិចបិចពិលមើខ្ញុំថាកូនយួនខ្ញុំនឹងកូនយួនទេកូនយួនទេថាខ្ញុំប្រកែកជាមួយគាត់3ដងខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំកូនខ្មែរទេមិនមែនកូនយួនទេ3ដងឆ្លើយបានគាត់ថាបិញ្ចឹងក្មួយអញនៅម្ខាងរួចបន្តពីគ្នានឹងទៅហើយបាននៅរស់បានប្រហែលជា30នាក់40នាក់ក៏មិនដឹងអីមិនដឹងខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយកាលនឹង Donc si je comprends bien, il n'y a que le groupe des personnes venant de votre village qui a dit, il n'y a que les femmes du groupe de votre village qui ont dit qu'elles étaient Khmer, c'est bien ça? Et elles ont toutes survécu, c'est bien ça aussi. Est-ce que vous vous souvenez du nom de certaines de ces jeunes femmes qui étaient avec vous dans votre groupe? ហើយនឹងសារ៉ោះនឹងដាក់ឈ្មោះខ្មែរឆ្មាប់ឈ្មោះរ៉ែនហើយនឹងសេរីនឹងឈ្មោះទីយ៉មហួយទីយ៉មនឹងបានស្លាប់ហើយហួយអាអ្នកប្រមាណប្រមាណនឹងខ្ញុំចង់ភ្លេចអស់ហើយអត់ចាំទេអស់ហើយនៅចាំតែប៉ុណ្្នឹងហួយអ្នកឈ្មោះសរ៉ោះនឹងវាអត់បាននៅក្នុងស្រុកភូមិទេដឹងគេទៅរកស៊ីខាងណាខាងណីទេបែកបាក់គ្នាអស់ហើយ Est-ce que le nom de Ahmed Sophia vous dit quelque chose? Ahmed Sophia, looks like the blue is more than that. Ahmed Sophia. Je vous dis ça parce que lorsque vous avez été interrogé par Isa Osman, il vous a posé la question des noms. De personnes qui étaient avec vous. Et il a interrogé également
une certaine Ahmad Sophia, et pour cela je renvoie au document E3-2653-ERN en anglais 00219244 qui correspondent à des notes de bas de page de l'ouvrage Survivor Stories from the Villages. Et il s'agit des notes de bas de page 104 et 105. Et dans ces notes de bas de page, M. Isa Ousmane renvoie à votre déclaration des SECAM E3-9333 dans laquelle vous évoquez le nom de Sofiane, et il évoque également la déclaration E3-7745 de Ahmad Sophia, où elle évoque votre nom, Satas, comme étant parmi les jeunes femmes de son groupe. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Sôm là chia sẻ về lục thiên bánh bánh bài hát chia miền cả bọ prai bạt bẹ mà chúng muốn sôm ơi lục xây mê tử vinh mê ta an sai chứ thamay đừng bây giờ miền cả bọ prai J'ai évoqué le nom de Ahmad Sophia. Donc encore une fois, est-ce que le nom de Ahmad Sophia vous rappelle quelque chose, étant précisé qu'encore une fois, je me réfère non seulement à vos déclarations à M. Isa Ousmane, mais également aux déclarations de Ahmad Sophia à M. Isa Ousmane, qui évoquent votre présence. Ahmad Sophia, non, Sophia, mais Sophia, hay nung Ahmad Sophia, nung ai nung sai piche, nung sai piche dal. Ahmad Sophia. Công công an toàn lời. Est-ce que vous confirmez qu'elle était dans un le groupe? Et vous confirmez qu'elle était avec vous lorsque vous avez été arrêté dans votre village, qu'elle était avec vous sur le chemin quand vous êtes allé jusqu'à Tri, et qu'elle était également avec vous dans la maison de Trier quand vous avez été interrogé, c'est bien ça? Je vous ai posé un certain nombre de questions sur le nombre de personnes qui auraient été présentes dans cette maison, Madame Nosatas, parce que j'ai un
document sous les yeux qui est un extrait de Oukouba, toujours de Isa Osman, document E3-1822, qui n'existe qu'en anglais, ERN 00078454. Et voilà ce qu'il dit à propos de cet événement à Tri. Et je cite en anglais. As one example, in late 1978, the Khmer Rouge gathered all those accused of crimes, both Cham and Khmer, into her house in Tri Village, Krop Chmar District, Kampong Cham Province. All the prisoners were asked one question, Cham or Khmer. Those answering Cham were sent to one side and the Khmer to the other. All the Khmer prisoners were released. All but six of the approximately 100 Cham prisoners disappeared. The six, Nosata, Sleyan, Slesara, Maumai Sam, Tamluk, and Hamad Sophia survived because they lied and said they were Khmer. Fin de citation. Est-ce que vous maintenez toujours que vous étiez 300 femmes dans cette maison? Amen. Monsieur le Président, je vois le temps avancer. Je n'ai malheureusement pas terminé. J'ai un autre point important à aborder. Je sais également que la partie civile doit faire sa déclaration. Je demande s'il est possible d'avoir 10 minutes ou un quart d'heure de temps supplémentaire pour me permettre de terminer mon interrogatoire. Je vous demande ces 10 ou 15 minutes supplémentaires pour me permettre de terminer, encore une fois, sur des points importants. Et je ne sais pas si vous souhaitez que je le fasse maintenant ou si on peut attendre après la pause, ce qui permettra à mon client de se reposer le temps nécessaire. Je laisse à votre appréciation la demande de temps supplémentaire et le moment, si vous me l'accordez, auquel je pourrais terminer mon interrogatoire. សូមអញ្ជើញក្រោកឈរ